stage par exemple de Radio Mars, on a appris la convocation de Salahdine Saïdi et de Marguerite Naïvi. Pouvez-vous nous expliquer cette convocation qui vient la veille de ce match amical face à l'Ouzbékistan? Merci. Comme j'ai l'habitude de le faire assez souvent, je pense que vous ne serez pas surpris, il y aura un grand turnover demain. Ensuite, on a eu quelques petits problèmes cette semaine au niveau des blessures, au niveau des malades. Donc pour parer à toute éventualité, et comme vous n'avez pas un grand déplacement à faire et qui mérite de venir avec nous, je pense que Saïdi et Nairi seront les bienvenus. Je les connais très très bien. Je les ai suivis pour le Chad. J'étais immergé avec eux. J'ai vu leur façon de se comporter, leurs prestations. Voilà, donc ils sont avec nous. Félicitations à eux. Maintenant, ils font partie de l'effectif qui va être aligné contre l'Ouzbékistan. On verra les choix qui sont faits pour le 11 de départ. Pour la Coupe du Monde, il y a une saison pour chaque joueur respectif à terminer. Ensuite, il y a une préparation à faire, une préparation de 3 semaines pratiquement, qui permet de se préparer pour être aligné tous les 4 jours. Donc on n'en est pas là pour l'instant. Aujourd'hui, les joueurs de l'effectif sont capables d'aligner 2 matchs de suite, mais moi j'ai des choses à voir. Donc, comme je vous l'ai annoncé dès vendredi soir, et je vous le redis encore dès maintenant, il y aura beaucoup de changements, parce que ça doit permettre d'évaluer encore certains joueurs, pour certains les voir pour la première fois. Donc, voilà, c'est à eux d'être au rendez-vous. C'est à nous d'être au rendez-vous parce que c'est une mission collective. On ne se détache pas, par exemple, d'une contre-performance d'un joueur demain. Bon, il fait partie de l'effectif. C'est moi qui l'ai sélectionné, donc j'assume les sélections des joueurs et puis c'est à eux d'être performants demain soir. Merci pour vos félicitations. Concernant Youssef, déjà il est sélectionné avec les plus jeunes, avec Marc Vogt. Donc il est sélectionné. Ensuite, Youssef est titulaire depuis à peu près un mois et demi avec son club. Je connais ses qualités, je connais ses points un petit peu plus faibles. Donc voilà, ça fait partie de l'évaluation de tous les attaquants qu'on a, mais dans une liste de 23, je pense que vous connaissez quels sont les critères de sélection. Vous avez grosso modo 8 défenseurs, 3 gardiens de but, 6 milieux de terrain, 6 attaquants. Donc, si à chaque conférence de presse vous citez un nom, ça fera beaucoup plus que 6. Hein. Donc on en a beaucoup plus que 6, mais tous n'iront pas au Mondial. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.